Merci à toutes, c'est Toronis, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Devil May Cry. Donc on commence tout de suite avec la mission 2. C'est parti. Je sais. Donc j'espère que les premières vidéos vous ont plu, que le son était bon. En tout cas moi, ça me plaît vraiment bien de faire ça. Donc on se retrouve ici, là où on était, donc la suite de la vidéo. On va retrouver un personnage assez célèbre. Bienvenue dans l'ordre. C'est pas ce que j'imaginais. C'est le but. Et là, comme je disais, donc au niveau graphisme, les démons sont parmi nous, Dante. C'est déjà mieux que ce qu'on a vu juste avant dans la vidéo. Le monde est faible, endoctriné, léthargique. Nous sommes des combattants de la liberté. Nous sommes la dernière ligne de défense. De défense ? Vous n'avez aucune chance. C'est pas une question de chance. On a accumulé des informations sur les démons et sur leurs collaborateurs. Chef d'État, banquier, popstar. On connaît leurs points faibles. Dante, c'est bien toi. Oui. Tu ne te souviens pas de moi? Non. Tu as beaucoup de souvenirs de ton enfance? Ben, pas vraiment. J'ai eu une méningite à 7 ans. Ça m'a effacé la mémoire. Moi, on m'a dit que mon amnésie venait d'un accident de voiture. À l'âge de 7 ans. Et alors? La méningite, c'est une pathologie humaine. Mais tu n'es pas humain, Dante. Les guerres se gagnent en trompant l'ennemi, et tu as été trompé. Ton passé t'a été caché délibérément. Attends un peu, t'es qui au juste? Je m'appelle Vergile. J'ai créé l'ordre pour trouver un moyen de tuer les démons. Les épées et les balles, ça marche bien. Ça suffit pour remporter des batailles, mais pas la guerre. Nous utilisons la force, c'est vrai. Mais aussi le renseignement, la politique, la propagande. Tu crois vraiment pouvoir faire une différence? Une différence? Je crois qu'en unissant nos efforts, nous serons capables de les vaincre. Alors c'est ça que tu veux? Que je combatte les démons et que je sauve le monde? Tu comptais faire autre chose de ta vie? Vous avez l'air vraiment très sympa, les gars. Mais moi, je travaille seul. J'ai un peu de mal à faire confiance à des inconnus. Dante, t'as pas l'air de comprendre les enjeux. Si tu veux partir, libre à toi, je ne peux pas t'en empêcher. Mais tu commettrais une grave erreur. Pour toi et pour toute l'humanité. L'humanité? Oui. Mais j'en ai rien à carrer. Au moins c'est clair. Laisse-moi une chance de te montrer. Me montrer quoi? Okay. Qui tu es vraiment. La mise en scène est vraiment, mais vraiment sympa, je trouve. Par contre, cette bagnole est horrible. Joli chapeau. C'était ton foyer. Je m'en souviens pas. Ça va venir. Kat, ouvre le portail. Je ne ferai aucune blague, Salas. Tu fais quoi? Enfin, je vais essayer. Comme notre monde et les limbes sont étroitement superposés, par endroits, ils entrent en collision. Ce qui crée des failles. C'est ici, dans ces failles, que nous pouvons créer des portails entre l'un et l'autre.
C'est quoi ce truc? Un composé que j'ai créé à partir d'une vieille formule Wiccan. Eau de mer, huile de requin, copeaux de fer, semences d'écureuils desséchées et poils de loup. Sympa. Vas-y. Cette maison renferme des secrets. J'ai trouvé le mien. C'est ton tour. Comment je reviens? On te ramènera. Mais sois prudent. Ce n'est pas sans danger. J'aime bien le danger. Tu penses que ça va marcher? Il a l'air de s'en moquer. Ça viendra. Souviens-toi comme tu étais au début. Pardon. Fais pas chaud. Eh bien, on retrouve notre pote. Pour pouvoir jouer. C'est parti. Sympa la maison. Alors, c'était chez moi. Bon. Voyons ses secrets. Bon, on va essayer de chercher un petit peu plus les secrets que dans le premier épisode du playthrough. Par contre, je vais vite vérifier le son. Hop. Si, ok, c'est bon. Hop. Ok. Il va pas. Aller par là tout de suite. Ah, une clé. Faire madame d'ouvrir une porte de cuivre. Logique. Qu'est-ce qu'il propose, lui? Capacité, j'ai déjà tout. Rébellion. Bof. Bof. Non. Bof, pas trop. Alors, qu'est-ce qu'il propose ici? Tir niveau 2. Bon, je vais toujours augmenter. Tiens, j'avais une autre? Non, j'en ai plus. Voilà. Ça, je peux pas passer. En tout cas, pas pour l'instant. Hop, on continue. C'est vraiment le genre de jeu où il faut refaire plusieurs fois les niveaux parfois pour découvrir tous les secrets. Mais bon, là ce qui nous intéresse, je plus c'est l'histoire. Cet endroit. Permettez, je bois un coup. Il est 7h30 et je bois du Coca Zéro. Très sain. Et t'es qui, toi? Sparda. Fils de Sparda. Mon père? Bon. J'ai vu la musique. Thank you.
Ah, il y en a. Chevalier de l'Apocalypse. À quel tour ? J'ai pas l'impression que. Coriace ! Qui est mon pêche ? Ah bon, ça va, sympa, non ? Comment je fais ? Ah, derrière. Sympa. Qu'est-ce que tu veux me montrer ? Mais bon, on va aller voir. Oula. Je viens de remarquer que la texture des... Le bois ça va, mais la saleté, enfin les débris ici, c'est juste dégueulasse. Non, on s'en fout. Skyrim. Ça marche mieux que l'épée du coup. Immédiatement un peu de vie à ça. Ah ouais. Qui est là ? Donc en fait, je laisse appuyer sur une touche. C'est un peu difficile à contrôler au début, mais on s'habitue. Ah ouais, je vois, fais le malin. Évidemment, ça aurait été trop beau. Un truc, tiens. Non, ça fait rien du tout. Non, ça fait rien. Alors, on s'en fout. Est-ce que je suis là ? Je pars de son. Ah merde, on est revenu au début. J'ai fait le con ou... C'est normal. C'est bien normal, c'était juste pour acquérir l'arme. À mon avis, elle s'est prise.
avec Arbiter, merde. Hop. Sympa. Je sais pas du tout comment est-ce qu'on peut débloquer ça. Sûrement avec une autre arme. Je m'en souviens. Ok. En tout cas, le design est sympa. Hein. Enfin, le design du monde. Je suis enrhumé. Je suis où ? Au pays des merveilles. Je sais pas. Je suis dans un rêve. Pas vraiment. Oui. Yeah. Donc c'est E et clic droit. Ah bah ouais, c'est l'attaque à distance de l'arme. Pas de la lutte, mais jamais. Oula, je suis mort. Big fail. Mais oh putain. Ah la merde. C'est bien fait. Bon, c'est vrai que le jeu est pas tout à fait prévu pour ce genre de phase de plateforme, vous l'avez vu, je me suis cassé la gueule deux fois. Mais c'est sympa. Heavy Corrin. Sympa. J'essaie différents combos, hein. Peut-être un obus. Yeah. Mais je suis un grand adepte du double saut, s'il n'y en a pas, je suis vraiment perdu. Et maintenant l'arbiteur.
acteur de merde. Il est fâché maintenant. C'était ton foyer. C'était ton foyer. C'était ton foyer. Je m'en souviens pas. Ok, qu'est-ce que t'as d'autre en réserve? Ça se détruit pas, ça non plus. Non, ah, ma clé de cuivre de tantôt. Qu'est-ce que ça cache? Oula. Surprise. Ah d'accord. Je... C'est des défis. Ok. Bon, on va essayer parce qu'on va me planter comme une merde. Ah non, je me suis pas planté comme une merde. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Fragment de croix de santé. Ramasser 4 fragments. Oh, sympa. Oh bah voilà, ça c'est fait. Donc défi réussi. Allez, je veux tout. C'est des sous. Des sous. Oh là là. Voilà. On continue. Évidemment. Serais-je venu ici pour rien? J'ai bien l'impression. Ah ok. Sympa. Je tente le truc. Oui, oula. J'ai pas tout cherché. Amélioration, capacité, esquive démoniaque, c'est quoi ?
Boy du coup. Ouais. Non, trop lente. Pour l'instant en tout cas. Ça j'aime bien. Bon, on verra sur les ennemis. Ça va être pour la porte bleue, ça. Ça a pas la faute. Osiris, hachoir, ah, deux fois, une pause, une trois fois. Putain, il y a trop de combos, je vais jamais m'en sortir. Ah, par contre, si je comprends bien, imaginons... Je peux revendre une amélioration, ça c'est pas mal. Donc je peux me refondre mon arbre de talent quand je veux. Ouais. Non, ça on s'en fout. Rébellion, c'est quand même celle que j'utilise le plus. Je pense quand même que. Osiris. Et là, je vois. Hop. Hop. Sympa.
Oh putain de merde. Pardon. Juste la classe, quoi. J'ai envie d'aller par là, mais je sens que c'est une mauvaise idée. Je le savais. Évidemment, là je peux pas remonter. Non. Ça aurait été trop simple, hein. On continue, hop. Pas du tout. Une rose bleue. Alors c'est une rose bleue. Non, t'as pas l'air de comprendre les enjeux. De retour au pays des merveilles. Ah oui, d'accord, sympa, j'aime bien ça. Ça va plus vite que de devoir rapprocher les plateformes, mais c'était... Joli. Ok, on n'a rien vu, encore un fail. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Bon, et maintenant, on continue. Ah! Putain de merde. Je visais en même temps, merde. Voilà, sympa. Eh ben on y arrive, hein.
C'est une pathologie humaine. Mais tu n'es pas humain, donc. J'ai un peu de mal avec les touches là. Yeah. Qu'est-ce que ça est? Eh ben la mission est vachement plus longue que la première. Quand même beaucoup plus mature que les autres épisodes. Notre père, Sparda, nous a emmenés, mon frère et moi. Il nous a séparés, nous a cachés parmi les humains et a entièrement effacé nos souvenirs. Tout n'était qu'un voile noir jusqu'à présent.
frère. Ton frère jumeau. Ça faisait longtemps que je te cherchais, tu sais. Notre mère nous les a donnés. Je pense qu'elle savait que ce moment viendrait, que nous serions réunis. Et notre père, Sparda ? Banni à jamais. Un châtiment pire que la mort, dit-on. Il ne reviendra pas. Je veux en savoir plus. D'où nous venons, ce qui nous est arrivé. Et surtout, je veux savoir qui est responsable de tout ça. Et ben voilà. En tout cas, partie vraiment, vraiment sympa. Enfin, moi, j'ai adoré. Non, on apprend plein de trucs et tout, franchement. Nickel. J'adore. Je suis pas prêt de décrocher. Juste dommage qu'il n'y a pas eu de boss. Bah bon. C'était vraiment sympa. Bon. Eh bien, je vais retourner au menu principal. Et je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vais vous inviter à partager mes vidéos, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne. Et voilà. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.